J'aimerais revenir sur la question de la dignité de la personne humaine. Quelle est son origine ? La question que vous me posez est très intéressante et en même temps, il est difficile d'y répondre. Ou du moins, il est difficile que la réponse que je vais pouvoir vous donner soit accueillie ou recevable par tous. Il se trouve que, effectivement, dans l'Église catholique, les papes, pape Jean-Paul II, Benoît XVI, ont interpellé l'ONU, le secrétaire général de l'ONU, à l'occasion notamment d'anniversaire de cette institution, et d'anniversaire de la déclaration de 48, en soulignant, en estimant que la notion auquel on se réfère, de façon principielle, de l'éminente dignité de la personne humaine, n'est pas suffisamment été approfondie. Alors, bien sûr, il y a eu ce que j'ai dit, il y avait le contexte historique de l'immédiate après-Seconde Guerre mondiale. Ça, oui. Bon. Mais nous voyons bien que la notion de principe de dignité de la personne humaine, il est, d'un certain point de vue, anhistorique. Et à ce moment-là, il y a des présupposés philosophiques, anthropologiques, et que l'Église va situer dans ce qu'elle appelle le droit naturel. Un certain nombre de juristes, aujourd'hui, contestent l'existence d'un droit naturel. Et en plus, quand on regarde l'histoire ou la philosophie du droit, on voit qu'il y a différentes écoles de droit naturel. Alors, il y a le droit naturel classique, pour faire vite saint Thomas, auquel c'est à ce droit naturel classique que l'Église se reporte. C'est-à-dire de découvrir un ordre dans la nature voulu, conçu par le Dieu créateur. Et ensuite, historiquement, après la Renaissance, et quand on arrive jusqu'au XVIIIe siècle, on voit se mettre en place un droit naturel moderne. Seulement, quand on compare cette perspective du droit naturel classique avec l'évolution du droit naturel moderne, on voit qu'il y a un déplacement sur la question de la conscience. C'est-à-dire, peut-on concevoir qu'il y ait autonomie absolue de la conscience et donc de la décision de conscience, ou bien autonomie relative? Et de ce point de vue, l'Église, et saint Thomas d'Aquin, déjà dans sa somme théologique, considérera qu'il y a bien la liberté de l'homme, qu'il y a bien une légitime autonomie de la conscience. Nous en avons déjà parlé. Nous en avons parlé sous l'angle d'une herméneutique de textes de droit et liberté fondamentaux séculiers, mais ce serait aussi vrai en théologie et en droit canonique catholique. En même temps, le droit naturel classique, thomiste, auquel se référera l'Église, estimera qu'il n'y a pas une autonomie absolue en raison justement de cet ordre naturel. Et, dit Benoît XVI, que tout homme peut découvrir indépendamment du fait d'être confessant ou pas en un Dieu. En ayant tout à fait conscience que le langage qu'il tenait, et celui que j'essaie de relayer ici modestement, est littéralement incompréhensible ou irrecevable pour beaucoup de nos contemporains. Concevoir qu'en raison d'un ordre naturel, ma liberté de conscience est certes dans l'autonomie, mais pas dans l'autonomie absolue.